Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, pas tout à fait une nouvelle vidéo, mais juste un petit point sur la mise à jour de la dernière snapshot, la 23W46A, qui vient d'avoir lieu aujourd'hui, le 16 novembre, le jeudi. Habituellement, on a nos snapshots le mercredi, mais là, exceptionnellement, semble-t-il, on a eu la snapshot aujourd'hui, avec quelques changements. Des corrections de bugs. Alors, il y en a toujours, hein, et c'est le but du jeu de la snapshot. Des bugs corrigés chez certains spawners, des éléments trial spawner, qui concernent en fait la chambre d'entraînement. Voilà. Et puis, dans les grandes lignes, en fait, hein, l'équipe de développement a apporté des modifications autour de la redstone, des comportements de délai de déclenchement, l'ampoule de cuivre en l'occurrence. Voilà, il y a aussi des travaux, des évolutions autour du crafter, de tout ce qui est le copper bulb, donc l'ampoule en fait de cuivre. Voilà, donc j'espérais, parce que j'avais cru voir un visuel passé qui concernait le tatou. Et malheureusement, quand on regarde les informations qui concernent la snapshot sur le site minecraft.net, eh bien, on ne voit pas passer quoi que ce soit à ce sujet. Donc peut-être que c'était une copie d'écran ou je sais pas, une traduction, je ne sais pas. Je vous mettrai peut-être l'image que j'ai trouvée sur internet, mais on voyait en fait des tatous de toutes les couleurs, donc ça fait un peu bizarre, mais voilà. Donc petit téléchargement en cours, non, qui déconne, et ben voilà, 80 mégas à télécharger, normalement c'est plutôt rapide, mais là j'ai eu un premier message d'erreur tout à l'heure et j'espère que ça va pas se reproduire. Ça télécharge, ça n'a pas l'air de bien bien marcher. Et ça reste bloqué. Pendant ce temps-là, j'essaye de trouver les informations que j'avais trouvées, voilà, sur internet. Et je vous mettrai ça sur internet, sur la vidéo. Hop là, j'enregistre l'image. Aïe! Bon, et ben vous voyez, tout ça ne fonctionne pas comme je l'aimerais. C'est pas tout à fait normal. Et peut-être que cette vidéo va s'arrêter là. Alors, on relance l'installation de la snapshot et on espère, on croise les doigts, de manière à ce qu'il lance le téléchargement. Voilà. Ah, tout à l'heure il y avait 80 mégas à télécharger, il n'y en a plus que 57. J'espère que c'est bon. Ouf! Et bien finalement, après 4 tentatives, 4 ou 5 tentatives, avec chaque fois une quantité de fichiers différente à télécharger, j'ai réussi à lancer la version 23W46A de cette snapshot. Et on va se lancer. Donc celle-ci, on va la sauvegarder. Vu comment ça a vautré, j'aimerais bien ne pas perdre ma partie. Oh! Ça ne répond plus. Aïe aïe aïe, si c'est bon. Sauvegarder. C'est bon. Ça charge et c'est parti. Hop là. Bien, donc comme dans toute mise à jour de snapshot et comme dans tout démarrage de nouvelle partie, il va falloir recharger, hop là, toutes les textures au loin. Notre petit village tout là-bas, là, il réapparaît plus.
Non, me dites pas qu'il a disparu. C'est pas possible ça. On est bon par là. De ce côté-ci, ça charge tout doucement. On est bon. Eux sont toujours là. Il en restait même un de côté. Aïe, ça frise. Voilà, par là-bas, c'est bon aussi. De ce côté-là, c'est bon. On va faire le plein de nourriture. Alors, je ne lance pas une grande vidéo, hein, c'est juste parce qu'en fait, la snapshot vient d'être publiée. Voilà, ouais, c'est bon. Voilà, je me disais, le village au fond là-bas avait disparu, mais ça y est, il s'est remis. Et vous verrez dans un prochain épisode à venir très rapidement, à savoir demain, que j'ai été un petit peu l'explorer. Je crois que je l'ai filmé. Je sais plus du tout, en fait. Voilà. Donc, je vais en profiter dans le cadre du montage de cette petite vidéo pour vous mettre des informations donc sur le tatou. Des informations que j'ai trouvées sur internet en faisant quelques recherches. Donc potentiellement on pourrait trouver le tatou dans les savanes, c'est un peu le but du jeu de ma venue par ici, enfin, sur les plateaux, donc c'est pour ça que j'étais venu voir ici et que cette zone m'intéressait. Si vous avez regardé les dernières vidéos, vous savez potentiellement que par là il y avait un panda que j'ai croisé, et on est monté tout en haut là de ce plateau, et ça sera donc par ici qu'il faudra que je vienne pour rechercher le tatou. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur les fréquences d'apparition et choses comme ça, mais bah voilà, ça sera la zone, cette zone là qui sera la zone de recherche pour ce nouveau mob, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Je fais au plus court, c'était juste pour dire que voilà, on avait changé la snapshot et qu'on passait dans la nouvelle snapshot avec des évolutions qui, aujourd'hui, on va dire, ne concernent pas mes épisodes. Hein, la redstone, on est encore loin d'un usage, mais si vous avez des idées d'utilisation, j'en ai déjà une, mais c'est dans le précédent village, avec les poulets, et potentiellement peut-être faire une usine à poulets. À plume, on va dire. Bon, bref, donc pour l'instant, c'est pas prévu, c'est pas encore d'actualité, et ça se fera déjà quand je retournerai au village. Et pour ça, il va falloir que je reparte explorer par ici pour aller trouver tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, il y en aura une demain matin qui sera, ou demain midi, qui sera publiée demain, en plus de celle-ci qui fait la suite à la descente du main shaft. Mais entre la descente du mineshaft dans le mineshaft et ce village-là, il y a un autre épisode qui malheureusement ne sera publié que demain. Ce sont les aléas des publications des snapshots. Tiens, j'avais pas fait gaffe, j'ai un chien là-bas coincé sur le pauvre sur le bateau. Allez, on récupère le bateau. Oui, c'est bon. Oups, non, c'est pas le moment de se noyer. On récupère le chien lui aussi. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ces aventures. Salut!